Tu veux m'entraîner une nouvelle recrue de mon équipe? Allez, on y va. Non, mais... Salut! Je vais pas me battre contre toi! En plus, je pense que c'est toi qui es charpentier, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est toi qui es charpentier? Allez, dis-moi que c'est toi qui es charpentier. T'as pas mis l'autre. Non, non. Paras, ok. Bon, on va se prendre au moins pour le premier combat. Pam, 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 pam. Paradam, down. Allez, flamme méchante d'une gueule. La flamme méchante. Tu viendrais. Oh là là, trop dégueulasse. Et bra. Oh oui, c'est super efficace. Je le savais pas, je l'ai appris aujourd'hui. C'est le mec qui sait pas comment jouer à Pokémon. Ouais, ouais, j'ai appris aussi aujourd'hui les petits feux, c'est efficace. Ah, les charpentiers, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien, il est né bouddhiste en plus. Ouh là là. La mèche, go. C'est parti, écrase face. Bra. Pou. Il fait encore beaucoup de dégâts, ça me saoule. Bra. Oh là, full critique. Si j'aurais pu le brûler, ça aurait été sympa, mais non, non, mais non, les énigmes, non. Oh là là, les carottes sont cuites là, non. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un accent québécois quand même. Là, 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 les carottes sont cuites là. Ok, je renvoie à Alucidane juste au cas que. On sait jamais ce qui pourrait arriver, donc j'utilise pas souvent. T'es tellement drôle, toi. Mais oui, t'es des patients, là. Non, mais Alan, quand même, j'ai des patients. Fabolvi, comme que c'est la tête. Et bro, pour. Parce que je suis prêt à dire qu'il y a plus de défense que de défense spéciale. Donc je vais l'affaiblir avec Volvi, je vais l'avoir exactement maintenant. Si tout se passe bien. Oh là là, il est 10h. Oh là là. Je sais pas, c'est drôle d'avoir un cadran qui sert strictement à rien dans l'aventure Pokémon. Parce que de toute façon, qu'il soit 10h, on s'en branle. Hein. Il est 10h, tout le monde est heureux à 10h. Le charpentier, il était KO. Alucida a gagné de l'XP. Vous avez battu Dresseur bien quand. Mais j'ai pas réussi à te battre. Oh, 1000 Pokéballeur. Oh, ça c'est pas trop mal. Ça c'est pas bien quand. Punaise, de chez Punaise, tu rigoles pas, Mad Bob. Non, pourquoi je faisais une voix genre bizarre? Bon, je vais m'entraîner mes Pokémon pour pas perdre la prochaine fois. A plus. Ouais, c'est ça, casse-toi. Casse-toi. Allez. Ok, elle est partie. Et attention, nous sommes dans Ogu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 g
Pokéball, j'en ai 7, ça c'est pas trop mal, donc je vais juste acheter peut-être des potions, je vais en acheter 2. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de Pokéballs. Comme vous direz, c'est bien, je sais pas qui. On va avoir des Pokédollars, c'est la monnaie dans ce monde. Parce que les Pokédollars, c'est la vie. Moi aussi, quand j'ai débuté à fréquenter. Attends, je relis. Moi aussi, quand j'ai débuté, j'ai fréquenté l'école. Ouais, mais tout le monde a fréquenté l'école. Si l'attaque est du même type que le Pokémon qu'il utilise, son effet est amplifié. C'est le champion qui m'a appris ce truc. Quoi? Si l'attaque est du même type que le Pokémon qu'il utilise, son effet est amplifié. Je savais pas. Eh bien. Les vestiges du rêve, c'est un ancien chantier de construction. Ah, je me suis quasiment étouffé. Ouais, c'est pas un gros, hein. C'est le mec qui a fait ça, ok. Il paraît qu'il y a là-bas un Pokémon assez rare qui fait voir des rêves. Oh là là, il fait voir des rêves. Les Pokémon de type feu sont faits face aux Pokémon de type eau. J'ai plein d'autres choses aussi, ouais. C'est vide, hein. Ouais. C'est vide comme ta tête. Ouais. Bon, c'est pas toi. Allez, qu'est-ce que tu me dis? J'ai mon idole à moi ces temps-ci. Ah, Inizia, elle est tellement forte en Pokémon. Attends, elle est tellement forte en Pokémon. Ouais, en Pokémon, quoi. Pokémon. Toutes les personnes dans Pokémon disent le mot Pokémon dans leur français, c'est drôle. On évolue le talent de dresseur au nombre de badges qu'il possède. Toi aussi, défie les champions d'arène et accumule les badges. Bon, ok, elle n'a pas dit Pokémon, bon, c'est pas grave. Au premier étage, en essayant de Pokémon, on peut se connecter au monde entier grâce à la STS. Mais c'est pas les MST, mais bon, c'est pas grave. Ok. Allons voir en haut, y'a pas de... Oh what, y'a beaucoup de trucs en haut. Entraîner 6 Pokémon, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors certains dresseurs concentrent leur effort sur 3 seulement. Oh là là, c'est quoi là là? Mon truc, c'est les Pokémon feu, j'entraîne ce type là. Mais ils peuvent presque rien faire contre les Pokémon de type haut. Il faudrait peut-être que j'essaie d'entraîner d'autres types. Bah oui, c'est ça l'important d'une... What? Le bug. Bug. On pourrait quasiment faire un remix. C'est vide, ok, mais la poubelle ici, je pourrais pas la regarder. Bon, maintenant, dans cette version, il y a vraiment rien d'intéressant dans les maisons. J'étais sûr et certain qu'on allait trouver des trucs intéressants dans les maisons, mais bon, ça vient d'air que non. Hein. Cette année, champion de Genus, je les ai affrontés plusieurs fois, mais il a toujours fallu qu'il sorte le type de Pokémon qui ruinait la tête. Ouais, qui ruinait la tête. Ça, c'est l'école Pokémon, je pense. École des dresseurs pour étudier les Pokémon. Ouais, je vais aller étudier les Pokémon. Ouais, on s'en va à l'école, on fait une vidéo, on s'en va à l'école. C'est tellement sympa ce jeu. Je suis très ému d'amour pour les Pokémon, alors je vais mieux les connaître. Heureusement, l'école de dresseurs est là pour étancher cette soif de savoir. Ouais, l'école des Pokémon. Ah, c'est une chaîne. Si un Pokémon se fait empoisonner, ses PV sont diminués pendant tout le temps qu'il se battra. Ce qui veut dire que s'il est retiré du combat, il est mort. Ah, Madbomb. Ah, je me suis trompé. On est venu se frotter au champion d'arène, oui. Il était là à disserter sur les types des Pokémon. On dirait que vous êtes manqué. Ouais, je suis totalement perdu dans ce que je lisais. Ok. Puisqu'on parle de pratiquer Madbomb, que dirais-tu d'un duel? J'aimerais m'assurer de l'importance des objets en combat. Ouais, vas-y. Jusqu'à quel point les objets sont-ils efficaces? Jusqu'à où on peut se battre sans eux? Telle est là la question. Quoi qu'il en soit, battons-nous avec tenue. Nous sommes en intérieur. Nous sommes pas à l'intérieur, nous sommes en... Le français. Ah, oh, le français. Ok, c'est lui avec le mélofée. Je suis prêt à niquer cette fois-ci. Arcado. Arcado est de type eau et insecte. Donc, niveau 1, je crois pas qu'il y ait autant d'attaques haut que ça, donc la mèche n'attaque pas trop mal. Oui, Mais que va pas trop niquer la race, je crois pas. Oh, voilà. Parce que c'est pas un Pokémon si fort que ça, Arcado. Et je vais peut-être pas faire Flamèche, mais je vais faire Griff. Il y a de nombreuses capacités, celles qui font mouche à chaque fois ou celles qui attaquent en premier. Totalement. Ouais. Ouais, ça peut être sympa. Griff. Ok, critique. T'es chanceux un peu. Donc les boudouches, beaucoup de points d'expérience. Niveau 14. Turbo des boudouches, reste en paix. Et attention, le Mélo fait le satana. Mélo. Bien, choisir l'objet à appartenir à participer au il est crucial. Oui, mais j'ai pas d'objet à appartenir. Flamèche, direct, en pleine gueule. Et... Oh, berceuse, il est en. Merci. Donc je suis prêt à dire que le moveset de ce mélo est sûrement genre des trucs comme berceuse, des trucs pour me rendre confus, et des trucs surtout pour faire métronome et me faire des attaques, c'est beau. Sur un certain. Flamèche, charme, tu descends mon attaque, mais j'ai une attaque spéciale. Donc je m'en fous un peu.
J'aurais pu faire une griffe, mais bon, vu qu'il a descendu mon attaque, ça me sert strictement à rien. Donc je pars encore Flamèche et ça devrait le niquer. Ah non. Doux baiser. Qu'est-ce que c'est doux baiser? Ok, je suis confus. Ok, c'est bon, on est rendu confus, mais j'ai rien pour faire une attaque parfaite, donc je prête à dire que voilà, je vais être confus. Ah non, j'ai réussi. Bon, mais parfait. Un petit peu plus de chance cette fois-ci dans les combats. Sérieusement, je suis heureux. Je suis heureux de ma performance. Je crois que je vois, oui. Si je pars contre toi, c'est que je manque encore de pratique. Mais... bravo, mec. Bravo. Si tu pars contre quelqu'un, c'est qu'il te manque sûrement quelque chose, ok? Je vais te dire ça tout de suite, ok? Il te manque la casquette. J'en étais sûr, la maîtrise des objets est un art subtil. T'as même pas utilisé d'item. Et pour ta peine, me voici une béreuse. Pas trop compris. Je te donne une B, mais je te donne une CS. Et la CS est de type herbe en plus. Et même pas de type normal. J'ai manqué un truc très bizarre dans cette arcorone. Donc je vais prendre coupe à Lucida, parce que j'ai pas envie de l'utiliser à quelqu'un d'autre. Et en plus c'est de type herbe. Et c'est plus fort que tranche herbe. Que j'enlève tranche herbe. Bah c'est 60, c'est assez fort quoi. Tranche herbe, coupe, tranche herbe, tranche herbe, coupe. On va enlever tranche herbe, ouais, parce que c'est 60, c'est 100% de précision. Mais ok, les coups critiques, ok, au pire, mais bon, j'aime bien avoir coupe qui fait plus de dégâts de 5. Ok, on peut s'entendre, mais bon, je sais pas, je fais peut-être la merde. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je m'en fous. C'est mes choix, je peux faire ce que je veux dans la vie. Donc le mec, au lieu de me donner une B, il m'a donné une CS. Mais bon, je suis prêt à dire que pour utiliser cette CS, il va falloir que je batte le gym. Le gym leader. Et comment je fais pour aller? Ah ok, je passe par en dessous. Là là là, comme ceci, on s'en va par ici et par ici, voilà. Trouve un point d'exclamation encore une fois, attention, qu'est-ce que c'est? Et ça obtient vitesse plus, ok, vitesse plus, vitesse plus, on s'en fout un peu. Et juste aller voir si je peux utiliser coupe. Ah oui, on peut l'utiliser tout de suite, coupe. Ok, mais pas trop problème. Un item ici. Qu'est-ce que c'est? Super potion, ah ça c'est sympa quand même, une super potion à ce stade de l'aventure. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Ça doit être sûrement une super ball. Ah bah là, je suis trop fort. Mad Bob, le mec trop fort. Ok, donc il n'y a pas d'autre objet. Et vers la droite, il y avait pas mal de rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette ville? Par un mec caché ici. Dans les autres sombres, c'est la sombre balle qu'il faut. Ouais, tiens, t'en as mérité une. Scuba Balls, c'est même pas des sombres balls, c'est des Scuba Balls. Sombre ball, marche, ça marche trop bien la nuit ou dans les cavernes. Et le nom, c'est trop cool. Sombre, c'est trop dark, j'adore. Ok, mais c'est vraiment bizarre, même les objets sont randomisés, c'est vraiment bizarre. Soit que c'est la chrome de base, soit que c'est randomisé, mais je crois que c'est la chrome de base, quoi. C'est juste bizarre. Une Pokéball un peu spéciale qui fonctionne particulièrement, c'est les Pokémon sous-marins. Ok, mais on va pas trop s'en servir, hein, parce que les Pokémon sous-marins, je peux pas aller dans les sous-marins, hein, parce que c'est un peu pas le temps d'aller dans les sous-marins. C'était pas vraiment drôle comme blague, hein, je sais, mais bon. C'est des choses qui arrivent, on peut pas toujours faire des blagues drôles. Ça arrive de temps en temps que les blagues sont moins drôles et qu'on fait des blagues un peu moins drôles. Mais bon, avant d'aller voir dans ce dresseur d'arène, qui semble être un mec aux cheveux bleus, aux cheveux verts, je veux dire, pas cheveux bleus, mais qui semble exactement ici, je vais aller voir vers la droite. Ok, une caverne. Vestige de rêve, terrain du jeu pour jeunes talents. Ah, ben ça c'est moi.